être là depuis un bon moment à racler sous la pluie avant que je ne passe. Tu peux me croire. Elle n'avait rien qu'à inciter à la licence ou au péché. Le péché, c'est la joie, la soie, le parfum, les lèvres maquillées, les yeux qui délirent, les cheveux teints. La chair, parée comme un autel, lavée comme un calice, peinte comme une idole. L'ordure aussi parfois, mais sous l'or et les perles. Celle-là n'avait rien de tout ça à offrir. Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Venez chez moi, monsieur. Venez chez moi. Allez, venez chez moi. Monsieur, monsieur. Je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur. Je vous en prie, venez chez moi. Si vous aimez mieux, j'ai une petite, monsieur. Elle est très gentille. 13 ans. Elle connaît les hommes, monsieur. Elle les connaît comme une femme. Venez chez moi, monsieur. Je vous en prie, venez chez moi. T'habites où? Tout près, là, à deux pas d'ici. Vous serez bien content. Allez! Attends un peu, mon chéri. L'escalier est si traître. Le chéri. Je n'étais plus le monsieur. J'étais devenu le chéri. L'homme qu'on a ramené. L'aubaine tant attendue, qui apporte peut-être de quoi manger le lendemain. Ou de quoi payer la cuite. La bonne cuite crapuleuse avec quoi la faim s'oublie. Je ne suis pas si laide, puisqu'il est là, qu'il m'a suivi, que je l'ai ramené, et je le tiens. Je le tiens par les promesses d'amour. Chérie, c'est au deuxième. Je t'avais dit d'enlever ça. Qui c'est cette vieille-là? C'est elle qui pourrait la petite, mon chéri. Tu veux dire sa mère? Mais non, je sais pas où elle l'a prise. Je me l'ai depuis hier. Oh, tu sais, elle a pas eu de chance, la pauvre femme. Elle est pas heureuse, elle non plus. Son fils est en prison. C'était mon amant autrefois. Là, il s'est tombé l'horloger de la rue Blanche. Tu sais bien, l'horloger. Et ses fils sont en maison. Elle lui donne rien.
Bien qu'elle vive, elle aussi, hein. Seulement, elle amène la petite ici. Parce que chez elle, si tu voyais ça, c'est si pauvre. Si pauvre. T'as froid, mon chéri, hein? J'ai plus de bois, plus de charbon. L'hiver est arrivé si vite. Puis il y a un mois que les agents sont venus. Ils m'ont emballé. Il y a que 3 jours qu'ils m'ont relâché. Si seulement j'avais eu 20 francs à leur donner, ils m'auraient laissé tranquille, ces chameaux. Il y en a qui demandent un bonheur, d'autres qui demandent de l'argent. À moi, ils demandent toujours de l'argent. Ça devrait pas être permis. Ton aise, mon chéri. Je vais la réveiller. Tu vas voir ce qu'elle est adroite et vicieuse. Tu seras bien content, va. Non, non, laisse-la. Tu sais, elle ne va pas avec tout le monde. Elle ne va qu'avec les messieurs qui sont généreux. Mais laisse-la dormir. Comme tu veux. Et si la police la trouve chez toi? Tu sais que c'est la cour d'assises, la maison centrale. Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas de toi non plus. La vieille va être furieuse. T'es pas allée avec la petite. Donne-lui quelque chose, qu'elle ne prenne pas tout ce que tu m'as donné. Puis viens que je t'éclaire, monsieur. Parce qu'elle est si traître. Je l'ai bien gardée quand elle a voulu réveiller l'enfant. Sa main n'a pas tremblé. Elle n'éprouvait rien. Pas la moindre. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Prêcher le repentir, les beautés de la vertu. Ce n'est pas elle la coupable, elle est telle que la société l'a voulu. Écrasée, laminée, disponible. Prêcher la haine. Inciter à la révolte. La misère est bien trop lâche. Elle n'a plus la force de brandir le gourdin. De toute façon, j'étais venu pour voir. J'avais vu. Je n'avais plus qu'à partir. Bonsoir. Excellent. Bon appétit.